terminer maintenant. C'est toujours l'incompréhension après une intervention policière où un jeune homme armé a été abattu par les policiers. Et Valérie, on apprend qu'une délégation de l'ambassade de Guinée au Canada qui devrait être présente aujourd'hui dans la région. On vient d'avoir la confirmation, Audrey, que les représentants, ils sont arrivés dans la région et devraient se diriger sous peu du côté de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, c'est l'ambassade de Guinée à Ottawa, tu l'as mentionné, parce qu'on a eu la confirmation hier que le jeune homme abattu par les policiers mardi matin, c'était un étudiant étranger, originaire de la Guinée en Afrique. Il était dans la région depuis quelques mois seulement pour étudier. Aujourd'hui, le travail, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, le travail sera fait pour rassurer les étudiants de la communauté ici du côté de l'UQAC, étudiants étrangers, parce que cet événement les a bouleversés. On le comprend. On en écoute quelques-uns. Ça fait peur et que même moi qui ne m'en rends pas compte, je pense qu'au bout d'un moment, ça va peut-être me frapper et je vais me rendre compte de ce qui s'est vraiment passé. Et une amie qui me l'a raconté puisqu'elle habite juste à côté. Comment se sent votre amie? Effrayée, je vous avoue. Hier, on est sortis, elle n'osait même pas rentrer par cet endroit-là. Ça a vraiment été un coup dur, en fait, c'est sûr. Parce que c'est assez triste, on pense à sa famille et on se dit comment est-ce qu'ils vont encaisser le coup. Et il sera également question aujourd'hui, Audrey, avec l'ambassade, du rapatriement du corps du jeune homme. On sait qu'il y a des expertises là, qui doivent être effectuées, notamment de la part du bureau des enquêtes indépendantes, parce qu'il y a une enquête donc, qui est ouverte de ce côté-là. Alors, on va aller à la rencontre de ces représentants qui devraient arriver du côté de l'université là, dans quelques instants. Merci, Valérie. À tantôt.